La Coupe Caraïbe des Nations, première phase là, qui était faite dans le stade national Silvio 14, sorti 7 pour 11 septembre qui se passe là. Sélection haïtienne là, fait un très bon parcours, 3 matchs pour autant de victoires. Donc, il y a une sélection haïtienne là, première sortie là, qui était fait tomber équipe Saint-Martin par 7 goals à 0. Dans la deuxième sortie, il y a été battu équipe Bermuda par 3 goals à 1. Et dans la troisième sortie, donc match choc, là, tu es opposé Porto Rico face à l'équipe haïtienne. Donc, c'est l'image ça que nous avons gardé là. Nous avons capitaine sélection haïtienne. Là. Johnny Palacide, c'est l'équipe haïtienne là, qui te bat coup d'envoi deuxième période et première période. Là. Ballon joué par l'équipe de Porto Rico. Il y a un passe qui fait à sur le côté gauche. Il a cherché l'agent Ed Maurice qui vient contre le ballon, l'y tiré. Donc, ballon a été passé à côté de l'égard par le portier de Porto Rico. Là, c'est Jeffrey qui a pu essayer de prendre chance. L'y tiré. Malheureusement, ballon a été passé à côté là. C'est Monument Constant qui était sorti, remplacé par Pierre Jean-Jacques, qui a joué l'équipe Caen dans le pays de la France, qui était monté dans un compte là, qui n'a pas démarré pour l'équipe haïtienne. Là, c'est un attaque pour l'équipe haïtienne, ballon qui jouait de la main, donc Abyss Central n'a pas hésité. Bah, un penalty à sélection haïtienne, non. Bien botté par Peguero Jean-Philippe, joueur équipe Don Bosco de Pétionville, non. Donc Peguero qui marquait 5 goals dans la compétition après suivre, et là vraiment. Peguero Jean-Philippe qui prend Portier à la à contre-pied et Portier n'a pas capable de faire rien sinon que ça le ballon qui a fait filer à battre. Et là c'est un coup franc qui bien beauté te gagne Jean Eudes Maurice qui était bel et bien présent dans la zone là, li mette ballon dans goal là, sélection haïtienne là bat équipe Porto Rico 2 goals à 1 et là Jean Eudes Maurice qui fout de joie après réalisation ça, on a rappelé Jean Eudes Maurice lui-même marqué 3 goals dans compétition hein. Et vraiment nous est là. Il y a Ed Maurice qui t'a marqué 2 goals. Là, c'est un coup franc pour l'équipe Porto Rico. Bien botté par Noah Delgado. En tout cas, nous sommes capables de reprocher mieux haïtien puisque pas de gain possibilité là pour sélection haïtienne d'être encaissé. N'a pas suivre, mais ni. Il y a un très bon coup franc qui botté par Noah Delgado. Et joueur équipe Porto Rico là, c'est donc Johnny Placide lui-même qui t'a fait une intervention. T'as gagné faute au dépend de Johnny Placide. Il y a une relance qui fait. Et vraiment, Johnny Placide encore une fois. Capitaine sélection haïtienne là qui était en confiance qui était arrivé capter ballon sans problème et sélection haïtienne là qui imposait lui par 2 goals à 1 face à l'équipe Porto Rico grâce à Peguero Jean-Philippe également Jean-Eudes Maurice.